Wesh les potos, et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter tous les trophées de Call of Duty Vanguard. Donc que ce soit le mode campagne, le mode multi ou le mode zombie. Donc c'est parti, je suis sur le site PSTHC, je mettrai le lien en description et en commentaire épinglé si jamais ça vous intéresse. Vous aurez la possibilité d'aller voir directement la liste par vous-même. Alors le premier trophée est tout simplement le trophée platine qui est d'obtenir tous les trophées de Call of Duty Vanguard. Donc voilà, c'est classique, hein, dans tous les jeux c'est comme ça. Alors le premier trophée en campagne, c'est de terminer la campagne de Call of Duty Vanguard dans n'importe quel mode de difficulté. Le deuxième défi va vous demander, enfin le deuxième trophée va vous demander de terminer la campagne de Call of Duty Vanguard en difficulté vétéran. Celui-là il a l'air quand même badass. Le troisième trophée va vous demander en mode campagne de faire 15 éliminations en tirant à l'aveugle. Donc je pense que vous ne devez pas viser, vous tirez sans viser, tout simplement. Alors le prochain trophée va vous demander de, toujours en campagne, ramasser des munitions sur 15 ennemis moins de 3 secondes après les avoir tués. Donc apparemment, les ennemis vont lâcher des munitions et vous allez pouvoir les récupérer, mais il faudra récupérer en moins de 3 secondes sur 15 ennemis différents. Donc ça s'appelle le vol de munitions. Alors le prochain trophée s'appelle faut toutes les essayer. En mode campagne, éliminer des ennemis avec 15 armes différentes tout au long du jeu. Donc, voilà, vous aurez juste à utiliser 15 armes différentes et éliminer des ennemis bien entendu. Alors le prochain trophée s'appelle chaud devant, en mode campagne, traverser 5 murs destructibles à l'aide du sprint tactique. Ok, donc ça veut dire que quand vous allez appuyer deux fois sur votre analogue, en fait vous allez courir et vous allez appuyer deux fois sur votre analogue pour courir plus vite, mais si vous faites ça à travers un mur destructible, et bien vous passerez à travers le mur. Il faudra faire ça sur 5 murs différents. Alors le prochain trophée s'appelle F, en mode campagne, mourir de l'explosion de votre propre grenade. Ok, il faut juste se suicider avec votre propre grenade. Alors, le prochain trophée, c'est pas votre ange gardien. Pas votre ange gardien, ok. En mode campagne, renvoyer 15 grenades qui auraient tué ou blessé vos alliés. Ok, donc à mon avis, il y aura plusieurs personnes. Il y aura sûrement des assauts avec plusieurs alliés. Donc, des PNJ non jouables, mais qui seront avec vous. Et en fait, quand l'adversaire va vous lancer des grenades, il faudra les intercepter et les renvoyer pour pas que ça blesse vos alliés ou que ça tue vos alliés. Alors, le prochain trophée s'appelle « Ça aurait été impossible sans vous ». Alors, regardez les crédits jusqu'au bout. Donc, à la fin du jeu, vous aurez des crédits et il faudra regarder les crédits jusqu'au bout pour débloquer ce trophée. Donc, il ne faudra pas passer le crédit à la cinématique de fin. Alors, donneur d'ordre. Avec Arthur, donnez 15 ordres différents à vos alliés. Donc apparemment, on va pouvoir donner des ordres. Donc je ne sais pas si c'est en multi. Je pense que là, on arrive dans le multi, mais je ne suis pas sûr. Je pense plus que... Ouais, je pense que c'est vraiment dans le multi. On va pouvoir donner des ordres. Donc genre mettre des pings et tout ça. En multi, je pense que c'est ça. Vous allez devoir donner 15 ordres. Alors le prochain trophée, c'est salutation de Nightingale. Avec Paulina, éliminer 15 ennemis immédiatement après être sorti du passage étroit accroupi. Donc là, j'ai quand même une hésitation. Je pense qu'on est peut-être toujours en mode solo. Ouais, je pense qu'on est toujours en mode campagne. Et en fait, donner les ordres, c'est en mode campagne aussi. Et celui-là, c'est éliminer 15 ennemis immédiatement après être sorti du passage étroit accroupi. Donc je pense qu'il y aura des passages étroits quand vous serez accroupi. Et après, juste être sorti de ce passage, il faudra éliminer 15 ennemis. Immédiatement, donc vraiment instantanément. Alors, bien entendu, vous pouvez en éliminer un. Je pense que ça se comptabilisera au fur et à mesure. Vous allez pouvoir le réaliser en plusieurs fois, ce trophée. Alors, le prochain trophée, c'est Hyper Vigilance. Avec Wade, éliminer 15 ennemis en utilisant la compétence Focalisation. Donc, apparemment, on aura des compétences en campagne. Et vous allez devoir en utiliser une qui s'appelle la Focalisation pour tuer 15 ennemis. Alors, le prochain, c'est Bonheur en approche avec Lucas. Faites 3 éliminations avec chacun des 4 types d'équipements mortels. Donc, grenade, je suppose, cocktail Molotov, C4 et grenade Samtex, je ne sais pas, peut-être, c'est possible. On verra bien ça, on verra bien plus tard, mais il faudra juste faire 3 éliminations avec les 4 types
d'équipements mortels. Donc 4 éliminations avec la grenade, 4 éliminations avec le cocktail Molotov, avec le TNT, etc. Alors le prochain trophée, c'est votre billet, s'il vous plaît. Dans Phoenix, éliminez 15 ennemis en vous tenant sur le toit d'un wagon. Ou d'un wagon pour les Français, voilà. Donc tout simplement, vous allez devoir être sur un wagon ou un wagon pour les Belges et faire 15 éliminations. Donc à mon avis, à un moment, il y aura un train et vous devrez monter sur ce train pour faire des éliminations. Alors, attention au train. Dans Phoenix, tirez sur un conducteur de camion avec un véhicule rempli de soldats. Donc quand vous serez dans le train, je pense, il faudra tirer sur un conducteur de camion avec un véhicule rempli de soldats et faire en sorte que le véhicule tire dans le conducteur, quoi, tout simplement, et le véhicule va se crasher parce que sans conducteur, le véhicule va partir en couille. Donc je pense que ça, c'est ça qu'il faudra faire. Alors, des actes valent plus que les mots. Dans Opération Tonga, protégez Evan grâce à des réflexes rapides. Je pense qu'il faudra faire... prendre son arme, viser, tirer. Mais voilà, vraiment des no-scopes quasi, ou des flash-scopes, voilà. Je pense que ça s'appelle des flash-scopes. Vous visez vite fait, mais vous faites ça avec une mitrailleuse, enfin une pistolet mitrailleur, et normalement ça devrait fonctionner, et vous allez débloquer le trophée normalement. Alors, le prochain trophée, vous seul pouvez sauver vos alliés. Dans Opération Tonga, encore une fois, je me trompe. Lancez une grenade fumigène depuis la fosse anti-char pour couvrir la charge. Donc, ok, hein, ça parle de lui-même. Vous lancez une grenade fumigène dans la mission Opération Tonga depuis que vous êtes dans une fosse anti-char pour couvrir la charge. Voilà, pour pas que les chars voient la charge. Et voilà, tout simplement. Alors, une légende en devenir. Dans Stalingrad, protéger les partisans sans manquer un seul tir. Oula, ça va être compliqué celui-là. Donc dans la campagne, au moment où vous êtes à Stalingrad, il faudra protéger le partisan. Donc à un moment où vous allez devoir protéger une personne, et il faudra ne manquer aucun tir. Alors celui-là, ça va sûrement être un peu galère. De toute façon, dans tous les jeux, il y a toujours un trophée bronze, super galère à réaliser. Et je pense que c'est celui-ci. Alors, pluie de feu dans Stalingrad, touchez un half track avec un cocktail Molotov. Alors, un half track, je pense que c'est un ennemi avec une grosse batteuse, donc un ennemi vraiment balèze, quoi, qui fait 2 mètres, vraiment très large. Je pense que c'est ça, après peut-être que je me trompe, peut-être que c'est totalement autre chose, mais je ne vois pas ce que c'est un half track pour l'instant. Alors, le prochain trophée, c'est lent mais mortel. Dans la bataille de Midway, aidez 5 alliés menacés lors d'un combat aérien. Comment les aider? Ça, je ne sais pas vraiment. Peut-être tirer dans les avions. Ouais, voilà, oui. Regardez, sur l'image, on voit bien que on a une sorte de tourelle et en fait, il faudra tirer sur les avions pour aider 5 alliés menacés lors d'un combat aérien. Ok. Alors, le prochain défi, c'est le prochain trophée. Dans la bataille de Midway, évitez d'être touché par des balles lors du premier bombardement en piqué. Donc, il faudra ne pas se faire toucher lors du premier bombardement en piqué. Donc, les bombardements, ce sera avec des avions, on va vous bombarder et il faudra surtout ne pas être touché pour valider le trophée. Alors, le prochain trophée, c'est intouchable. Dans Numa Numa Trail, évitez de vous faire tirer dessus par le sniper. Ok, donc dans ce moment-là, de Numa Numa Trail, il faudra pas se faire toucher par le sniper. Ouais, il faudra bien jouer en mode camping, il faudra vraiment faire attention, quoi, et pas se faire manger une balle. Alors, le prochain, c'est survivaliste. Dans Numa Numa Trail, trouvez Matteo sans tirer une seule balle. Ah ouais, carrément, à mon avis, vous allez devoir... Ce sera une sorte de mission d'infiltration et vous allez devoir tuer tous les ennemis au corps à corps ou avec des grenades, des équipements mortels ou tout simplement ne tuer aucun ennemi mais trouver Matteo sans tirer une seule balle. Alors celui-là, il a l'air un peu compliqué mais je pense que l'autre est encore... C'est pas le plus compliqué, je pense. Alors le prochain trophée, c'est Oiseau de proie dans Lady Nightingale. Éliminez 5 tireurs d'élite dans une zone à découvert sans vous faire toucher.
Ok, donc dans le moment de Lady Nightingale, il faudra éliminer 5 tireurs d'élite. Ok, dans une zone à découvert. Donc il faudra vraiment se placer en plein milieu de la zone, à découvert de tout le monde. Mais il faudra éliminer 5 tireurs d'élite super rapidement sans que les tireurs d'élite ne vous touchent. Ou d'autres joueurs ne vous touchent. Enfin, d'autres ennemis. Donc on est toujours en campagne. Donc ça a l'air plutôt un peu compliqué, mais je pense pas que c'est le plus compliqué. Alors, derrière toi, dans Lady Nightingale, éliminer les troupes de Steiner dans le grand magasin en les exécutant. Ok. Ouais, bah là, faites une mission d'infiltration, vous éliminez toute la troupe de Steiner en les exécutant et vous débloquerez le trophée. Alors, le prochain, c'est clairement pas un couteau. Dans les rats de Tobruk. Abattez le Stuka avec un pistolet, une grenade ou une roquette. Alors, le Stuka, je ne sais pas du tout ce que c'est. L'image, ah, mais ça a l'air d'être un avion. Je ne suis pas sûr, hein, mais ça, l'image représente une sorte d'avion. Donc, il faudra l'abattre. En plus, abattez un avion, ça tient la route. Avec un pistolet, une grenade ou une roquette. Bah, une roquette, ce serait préférable, quoi, tout simplement. Alors, le prochain. Meneur né dans les rats de Tobruk. Menez les rats à travers le désert sans vous faire repérer. Alors, est-ce qu'il faut vraiment mener des rats? Ou est-ce que c'est un own code pour les PNJ, donc les alliés qui vous suivront? Je ne sais pas du tout. Après, peut-être qu'il y aura des rats et qu'il faudra faire en sorte de les mener à travers le désert. Je ne sais pas. Ce sera peut-être un petit secret, quoi. Je ne sais pas du tout. Alors, marquez les esprits dans la bataille d'El Halamen. Faites-vous percuter par un char. Ok, ben ça, c'est super simple. Vous mettez devant un char, vous faites percuter dans la bataille d'El Halamien. Alors, le prochain, ça va aller. Dans la bataille d'El Halamien, tuez deux fois plus d'ennemis que pendant la défense finale. Il faut tuer deux fois plus d'ennemis que pendant la défense finale. Voilà, entre guillemets. Je ne sais pas si la traduction est bonne, mais dépendant, je ne sais pas, je ne comprends pas trop. Mais bon, il faudra juste tuer deux fois plus d'ennemis qu'au moment de la bataille finale. Alors, le prochain, c'est plus fort ensemble. Dans le quatrième Reich, utilisez commandement pour aider à éliminer un Jagger mortel. Alors, un Jagger, apparemment, vu l'image, c'est sûrement une sorte de personnage camouflé. Un sniper camouflé, je ne sais pas trop. Mais on peut voir qu'il a une sorte de voile sur son visage. Donc ça, à mon avis, ça doit être un Jagger mordeur. Et il faudra utiliser commandement pour aider à éliminer un Jagger. Donc, à mon avis, commandement, c'est sûrement que vous allez donner un ordre à vos alliés, donc les PNJ, les personnages non jouables, et il faudra faire en sorte de donner un ordre pour que ces personnages non jouables tuent cette personne, le Jagger Mordeur. Alors, le prochain défi, c'est de l'ordre dans le chaos. Dans le quatrième Rage, passez le niveau sans blesser qui que ce soit avec un tir allié. Bah, c'est très simple. Vous tirez uniquement sur vos alliés, vos ennemis, mais vous ne tirez pas sur vos alliés. Peut-être qu'il y aura, peut-être que le tir allié sera disponible et il faudra surtout pas tirer sur un allié. Parce que sinon, bah, vous n'arriverez pas à réaliser le trophée. Alors, le prochain trophée, c'est sacrée compétence, atteignez le niveau 55 en multijoueur. Donc là, on arrive dans le multijoueur. Faudra juste atteindre le niveau 55. Je rappelle que quand vous atteignez le niveau 55, vous serez prestige 1 et vous débloquez toutes les armes avec tous les équipements de toutes les armes dans vos classes, etc. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, le prochain trophée, c'est au sommet. Atteignez le niveau max avec un opérateur en multijoueur, opérateur de base du jeu uniquement. En fait, il faut savoir que dans Call of Duty Vanguard, les opérateurs maintenant auront des niveaux et vous allez devoir réaliser aussi des défis avec chaque type d'opérateur. Donc chaque opérateur aura par exemple 50 niveaux à progresser en jouant avec l'opérateur, ben, vous allez gagner des XP, que ce soit en multijoueur, zombie ou en campagne peut-être, ça je ne sais pas. Mais voilà, ce que vous allez devoir faire, c'est atteindre le niveau maximum de cet opérateur en multijoueur. Ah ben non, apparemment c'est en multijoueur. Je pense que
Peut-être que l'opérateur ne n'est pas l'XP des opérateurs ne sont pas comptabilisés en zombies et en multijoueur, ou alors c'est encore deux variantes d'opérateurs différents. Enfin bref. Ça, c'est une petite nouveauté, hein, les opérateurs qui ont des niveaux, donc c'est plutôt pas mal. Alors, le prochain trophée, c'est Bling Pro 2.0. Atteignez le niveau max avec une arme, arme de base du jeu uniquement. Alors, quand ils disent arme de base du jeu uniquement, c'est tout simplement les armes qui sont disponibles dès le lancement. Et pareil pour les opérateurs qui sont disponibles dès le lancement. Pas les opérateurs qu'on débloquera dans le DLC 1, enfin dans la saison 2, 3, 4, etc. quoi. Donc là, il faudra juste atteindre le niveau maximum de votre arme. Alors, le prochain défi, enfin trophée, c'est salut à tous, rejoignez un clan en multijoueur. Donc, ah oui, c'est vrai que maintenant, dans Call of Duty Vanguard, en zombie et en multijoueur, apparemment en zombie aussi, vous aurez un clan. Il faudra juste rejoindre le clan. Donc, c'est un peu comme dans Cold War, où il y avait le clan à gauche et le clan à droite. Et dans chaque clan, il y avait les opérateurs d'un tel et les opérateurs de l'autre. De l'autre dans l'autre clan. Donc voilà, il faudra juste rejoindre un clan, choisir son clan. Après, vous pouvez changer à tout moment. Alors là, on arrive dans le mode zombie qui va vous demander, le premier trophée va vous demander, enfin qui s'appelle Pacte avec le diable, va vous demander d'équiper 3 pactes. Alors les pactes, c'est à l'autel des sacrifices, il faudra utiliser des cœurs sacrificiels pour s'équiper de pactes. Et vous pourrez vous équiper de un pacte, ou peut-être les trois d'un coup, directement après avoir réalisé un objectif. Mais je pense que vous pourrez utiliser qu'un seul pack par un seul pack. Après, un objectif dans la map d'Air and Fang. Donc, il faudra, je pense, réaliser trois objectifs. Ensuite, aller à chaque fin d'objectif aller au pacte sacrificiel. Enfin, je sais plus. Comment ça s'appelle, je sais plus. Mais bon, bref. Ensuite, vous allez devoir utiliser vos cœurs sacrificiels pour acheter 3 packs. 3 pactes. Donc voilà, après, je vous ferai une vidéo tuto pour tous les défis zombies qui sont un peu plus complexes. Je vous ferai une vidéo tuto, ne vous tracassez pas. Alors, le prochain trophée, c'est 13 à la douzaine. Sacrifier 13 cœurs. Donc, comme je l'ai dit précédemment, en fait, un cœur sacrificiel à chaque fin d'objectif dans Dare and Fang, vous allez gagner un cœur sacrificiel que vous allez pouvoir échanger contre des pactes, comme le défi en haut, enfin le trophée en haut. Et là, en fait, il faudra obtenir, enfin, sacrifier 13 cœurs pour avoir un total de 13 pactes. Mais les pactes, vous pouvez en équiper que 3 par 3, donc 3 maximum. Donc voilà, vous pourrez, enfin voilà, vous allez capter les bails. Hein. Alors, le prochain défi, c'est assoiffé. Buvez dans les 5 fontaines démoniaques au cours d'une même session. Les 5 fontaines démoniaques, c'est tout simplement les atouts. Donc, quand vous allez avancer dans le jeu d'Air and Fang, vous allez débloquer les atouts. Et quand vous aurez débloqué les 5 atouts, ben, il faudra les boire, enfin, vous en équiper et boire dans les 5 fontaines. Alors, ça veut peut-être dire, excusez-moi, ça veut peut-être dire que chaque fontaine, que ça veut dire qu'on peut peut-être avoir les 5 atouts sur soi. Si on ne peut pas avoir les 5 atouts et que vous avez déjà 4 atouts et que vous ne pouvez pas prendre le 5e, bah vous vous tuez, ça enlèvera un de vos atouts normalement et vous prenez le 5e atout. Et au cours d'une même session. Ouais, non, je pense qu'on peut acheter les 5 atouts directement. Alors, aussi froid que de la glace. Éliminez en corps à corps 10 zombies ralentis par l'artefact souffle de glace. Donc ça, c'est avec votre spécialiste. Vous allez devoir ralentir les zombies avec votre spécialiste et ensuite les éliminer au corps à corps. Alors, comportement choquant. Éliminer 10 zombies qui ont subi des dégâts de l'artefact mine à énergie. Ben voilà, avec votre spécialiste, vous mettez des mines à énergie par terre, les zombies approchent, ils subissent des dégâts et vous les éliminez ensuite. Et vous allez devoir en éliminer 10 de cette façon. Alors, pro de l'évasion. Entrez 5 fois dans la couverture des terres avec l'artefact couverture des terres à moins de 25% de santé. Alors, je pense qu'on démarre avec 150% d'HP, de points de vie. Donc, il faudra avoir moins de, je crois, 30 points de vie ou 30 points de vie pile. Puis ensuite, activer votre camouflage des terres qui est votre spécialiste et vous allez devoir faire ça 5 fois. Alors, température de feu. Éliminer 10 zombies grâce à l'augmentation des dégâts de l'artefact anneau de feu. Là, c'est pareil, vous activez votre spécialiste et vous tuez 10 zombies. C'est le trophée le plus facile, je pense.
Ensuite, l'avant-dernier trophée, c'est Marchand de la Mort. Éliminer 2500 zombies avec une arme Sacré Punch niveau 3. Donc, ça veut dire que c'est une arme améliorée au Sacré Punch, au Pack à Punch, si vous préférez. Donc, voilà. Et le dernier trophée, c'est Faucheuse, où il faut éliminer 10 000 zombies. Donc, voilà. Hein. Pas besoin de vous expliquer, c'est très clair. Enfin bref, j'espère que cette vidéo d'information vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace.